Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Étincelle et Brillantine. Aujourd'hui, on vous fait un unboxing. C'est un unboxing bien spécial. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Dans le fond, on vous en avait déjà glissé un mot. C'est dans le cadre d'un projet avec le Diamond Painting Squad. Donc, on va faire une comparaison avec 20 différents vendeurs pris sur AliExpress. Mandez-moi pas les vendeurs, vous les verrez en temps et lieu. Je m'en souviens pas des 20 par cœur, mais c'est ça. Donc, on a, dans les 5 membres du squad, on a chacune 4 toiles à réaliser et on se donne un objectif d'en faire une par mois. Donc, vous aurez un unboxing par mois. Ben, pour chacune, vous aurez un unboxing par mois. Donc, pour vous, ça fera 5 si vous allez sur les 5 chaînes pour les regarder. Donc, vous aurez 5 unboxings par mois. Et on va faire les toiles dans chacun de ces mois-là en vous faisant toujours un petit live dans le milieu du mois pour vous parler un peu de la qualité de tout ça. Donc, je vous annonce tout de suite que notre prochain live pour ceci sera le 17 mars à 20h sur la chaîne Twitch du Diamond Painting Squad. Et je vous invite de ce pas d'aller voir les chaînes de mes amis pour voir les unboxings des autres vendeurs pour ce mois-ci, donc pour le mois de mars. Moi, aujourd'hui, c'est le vendeur Tin Me Art que je vais unboxer. Donc, c'est une série d'images qu'on a toutes prises dans le même style. On a tous pris pas mal dans les mêmes grandeurs. Ça dépendait de ce que le vendeur nous offrait. Là, je pense qu'il y en a qui ont peut-être des 50 par 50 ou 55 par 55, mais en général, c'est du 40 par 50. Il y a beaucoup de 310, vous allez voir, dans les toiles. C'est moi qui ai fait l'achat de toutes les toiles pour les envoyer, pour les dispatcher là, à travers les filles. Donc, c'est moi qui ai négocié avec les vendeurs. Donc, je vais vous insérer le prix là, de la toile de celle-ci dans l'écran. Donc, le prix original qu'on était supposé l'avoir et le prix qu'on a finalement réussi à l'avoir. Et puis, c'est moi qui ai négocié, c'est ça, avec tous les vendeurs pour savoir s'il y avait de la colle coulée qui était disponible et tout ça. Donc, dans le fond, on a fait du mieux qu'on pouvait et ils nous ont envoyé le mieux qu'ils pouvaient. Donc, on va vous présenter ça à tour de rôle pour chacun des vendeurs. Aujourd'hui, comme je vous dis, c'est Tin Me Art. Donc, on regarde l'emballage. Donc, ça vient dans un emballage. Là, je ne vais pas montrer mon adresse, là, mais ça vient dans un emballage en sac de plastique. Moi, j'avais fait une incision pour voir c'était qui le vendeur. Et puis, dans la série de toiles, donc, comme je vous disais, on a toutes pas mal les mêmes, eh bien, pas les mêmes images, mais le même style d'image, vous le verrez. Et puis, moi, c'est tous des images en lien avec le film Aladdin que j'ai choisi. Donc, au total, on verra Jafar, on verra Jasmine, on verra le génie et on verra Aladdin. Par contre, là, j'ai pris une des 4 toiles au hasard, donc je ne sais pas laquelle je vais avoir aujourd'hui. Fait qu'on va le découvrir ensemble. Alors, vous voyez, la boîte est un petit peu mal amanchée, donc elle est un petit peu pliée comme ça. Donc, voici pour la boîte. Ça vient dans une boîte, hein? Évidemment, je l'ai dit. Donc, j'essaie de replacer un petit peu la toile. Ici, d'un côté, c'est écrit « Photo F ». Donc, photo, j'imagine, c'est leur code pour dire que c'est une photo personnalisée. Donc, on va aller enlever le petit papier qui recouvre la boîte. C'est sûr qu'on peut pas. C'est sûr que dans le processus d'envoi, on s'entend que les boîtes, habituellement, y arrivent un peu poquées comme ça. Donc, habituellement, Tin Me Art, c'est de la colle coulée. Donc, on va aller voir ça. Non, on le voit sur le côté, ça dit que c'est de la colle coulée. Un canevas en velvet, donc en velours. Il y a des côtés qui sont wave, là, qui sont en. Je sais pas comment le dire, en dents de scie, quoi. Je sais pas comment le dire, je m'explique. Donc, hein? Ouais, les côtés ondulés. Tiens, on va dire ça. Ouf, j'ai juste pesé un petit peu, puis la boîte, elle s'est comme déchirée. Mais bon, c'est pas grave. OK, fait qu'on a la toile, ça a l'air présent, fait que j'imagine qu'on a les diamants et les toolkits. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que toutes les toiles, on les a tous prises en diamants carrés pour voir justement l'effet ou le style que
en fait, la qualité des diamants carrés sur chacun des vendeurs. Et là, j'ai plus rien dans la boîte, donc vraiment, tout est enroulé là-dedans. Donc, je vais juste ouvrir le paquet. Donc, ça vient dans un sac comme ça ici. On va mettre de côté. Je vais juste faire sortir tout de suite les diamants. Ah, j'adore. OK. Fait que j'ai fait sortir les diamants. Donc, ça vient dans un autre paquet comme ça ici. Ils sont dans des sacs de plastique refermables, ce que j'adore. Et on a le toolkit juste ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste étaler la toile avec les diamants, puis on va aller voir ça. Alors, j'ai étalé la toile comme ça ici. Par la grosseur, je vais vous le confirmer en la retournant de bord parce qu'on va probablement le voir dans les côtés, là. Mais par la grosseur, je vous confirme que c'était vraiment une 40 par 50. Je vous mets le prix, comme je vous ai dit, dans l'écran, le prix qui était affiché au départ et le prix qu'on a finalement réussi à l'avoir. Donc, des fois, c'était plus cher, des fois, c'était moins cher. Je m'en souviens pas par cœur, je vais aller faire la recherche. Je vous le mets dans l'écran. L'endo de la toile est super beau, comme je vous le dis. Donc, comme c'était mentionné, c'est en comme espèce de petite... Les autres, ils disent velvet, là, donc velours. Ben, j'ai plus l'impression que c'est comme en genre de coton. En tout cas, c'est pas aussi doux que du dac, mais tu sais, c'est très doux pareil. L'endo de la toile est très beau, donc il y a des petites wrinkles, des petites rides. Mais étant donné que c'est une colle coulée, il y aurait vraiment pas de problème. On va enlever le papier, puis ça va se replacer super bien, super facilement. Donc, je vous ai étalé les diamants comme ça. Sachez qu'on n'a pas de feuille de route pour ce diamond painting-ci. J'ai étalé les couleurs, donc par les couleurs, je peux tout de suite confirmer que, si je ne m'abuse, ça va être l'image de Aladdin, parce que c'était une image avec beaucoup de mauve, et c'est vraiment ça qu'on a en grosse quantité. Donc, comme je vous disais, le 310, qui est en grosse quantité, on a une, deux, trois, quatre gros sacs comme ça, très bien pleins de 310. Rappelez-vous que quand vous avez des sacs avec des fermetures comme ça, juste assurer que la fermeture est bien fermée pour s'assurer de ne pas perdre des diamants. C'est souvent ça le problème, des petits diamants qui s'échappent. Je vous dirais que les sacs sont de très bonne qualité, très épais. Ils sont tous très beaux là, avec le beau petit logo du diamant puis un beau chiffre écrit super beau, super clair. Donc, c'est la première fois que je commande directement de la boutique sur AliExpress, là, Tin Me Arts. Et puis, je suis agréablement surprise là, de la façon que ça arrive pour vrai. Là. Je suis vraiment... On verra quand on va faire le diamond painting. Mais bon, pour l'instant, je suis agréablement surprise. Il y a seulement que la couleur 4 qu'on a en plusieurs exemplaires. Sinon, les autres, on les a tous seulement en un exemplaire. Donc, pas mal de mauve, un peu de jaune, un peu de couleur terre. Et puis ici, si je ne m'abuse, ça va être soit du 9,39 ou du 8,23, mais c'est un bleu très foncé, donc on a un très gros sac, mais c'est le seul. Alors voilà, on va vérifier le toolkit rapidement. Donc on a un stylet ordinaire avec un multiplaceur de 3, déjà placé au bout. On a des pinces, des petites pinces en métal avec bout incurvé comme ça ici. On a un petit barquette blanche et on a vraiment un espèce de gros morceau de cire. En fait, c'était-tu deux qui ont mis en, ils ont laissé en un? Non, c'est vraiment un gros morceau de cire. Donc voilà pour le toolkit. Donc, sinon pour le nombre de couleurs, je pense que j'en ai 25. Mon chiffre le plus gros. Oui, j'aurais 25 couleurs. Donc, là-dedans, on va aller regarder le 310. Quelle qualité de 310 on a? Si je ne m'abuse, ce sont des diamants en acrylique. Ah, oh, peut-être en résine. Donc, ça ici, c'est pour... Je vais juste essayer de vous le rapprocher. Pour le 310. Donc, ça a l'air quand même beau. Il n'y a pas tant de... On va essayer de faire ça comme ça. Souvent, c'est de même qu'on le voit. C'est quand même beau. C'est quand même bien, je vous dirais. Surtout pour le 310, qui est une couleur problématique habituellement. Là. Je suis bien surprise. Puis, ça brille bien. Donc,
Ah, c'est bien. On va mettre ça de côté. Donc, sinon, pour les diamants, vous avez la principale des couleurs. Comme je vous ai montré, il y a beaucoup de mauve. On a quelques petits jaunes et des petites couleurs terre. Et ensuite de ça, on va aller regarder la toile. Je ne peux pas vous montrer tout de suite la légende et les symboles puisque je n'ai pas de feuille de route, mais on va aller regarder ça de l'autre côté. Donc, on va juste tasser tout ça en espérant que le chat parte avec un de mes sacs. Et on va remettre comme ça. 3, 2, 1. Boum! Haha, j'avais raison, c'est bien Aladdin. Donc, désolé pour le contre-jour. Hey, hey, mange pas la toile. Donc, on l'a ici en bas. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations. On a le site web. On a la légende. Donc, comme je l'ai dit, 25 couleurs. Oh, lâche. On a ici les symboles. On va les regarder. Attendez, je vais vous les mettre comme ça. On va faire plus facile de regarder les symboles. Donc, au niveau des symboles, est-ce qu'il y en a qui pourraient être problématiques? Je dirais que non. C'est quand même... Hey! Lâche! En général, c'est quand même bien là, au niveau des symboles. Donc, pour l'instant, je vois pas de problématique. On verra peut-être quand je vais la faire si ça change. On a la petite magiette comme ça ici. On a le 40 par 50. Et on a un code ici, là, donc qui était le code pour la photo. On a encore une fois en haut une autre légende comme ça ici, qui est la même, évidemment. Puis, on a le logo de la compagnie. Je pense qu'elle est partie avec un sac de diamants. Bon, je reviens, je vais aller. Bon, fait qu'elle était partie avec mon 9,39. Si je ne me trompe pas, c'est-tu du 9,39? C'est la couleur 14. Non, c'est du 823. Mais bref, elle est partie avec mon 823, la petite coquine. On va juste regarder la grandeur de la toile, si elle est vraiment véridique, comme on avait demandé. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait 40, là. C'est, mettons, 39 et un petit peu plus qu'et demi et trois quarts. 39, trois quarts. Par 49. Fait que légèrement plus petit que ce qui est affiché, là, que ce qu'on avait demandé, mais pour le si peu de différence, on va dire que c'était ça. Donc, ensuite de ça, on va aller regarder bien, le type de colle. Évidemment, c'est de la colle coulée, donc on le voit très bien. Il n'y a pas de rivière, ça va bien. En fait, avec de la colle coulée, c'est assez difficile de faire des rivières, là, on va se le dire. C'est sûr qu'il y a des petites rides là, dans la toile, mais comme je vous disais, là, on l'aplatit un peu, puis c'est bien correct. Et puis, ça revient super beau, ça, il n'y a pas de problème. Puis, si vous ne voulez vraiment pas les avoir, vous pouvez toujours faire repasser à l'endo, il n'y a pas de problème. Et la colle... Ça colle très bien, donc pas de problème à ce niveau-là. Puis des fois, même, c'est le papier par-dessus qui fait en sorte que on dirait qu'il crée des wrinkles. Là. Donc, en enlevant le papier, ça enlève toute la pression qu'il y a, puis souvent, elle va être plus plate à ce moment-là. Alors, voilà. Et puis, ensuite de ça, on va juste y aller pour rapidement la clarté des symboles. C'est très, très clair, en tout cas. Selon moi, c'est très, très clair. Donc, vous voyez ici, ça, c'est tout le 310 qui est la petite lettre A. Et ensuite de ça, le R, c'est le 823. Sinon, quand c'est plus pâle, regardez comment c'est beau puis c'est clair. Non, moi, je suis vraiment très agréablement surprise. Wow! C'est d'une clarté inouïe. C'est limpide, limpide. Il n'y aura aucun problème là-dedans. Vraiment, là. Non. C'est vraiment génial. Ouais. La clarté est number one. Ouais, ouais, ouais. Alors, voilà. Fait que j'ai fait le tour pas mal de ce que j'avais à vous dire ou à vous montrer pour cette toile-ci. Je vais la préparer. Je vais préparer les diamants pour pouvoir la commencer. La commencer très, très, très rapidement parce que j'ai déjà terminé mon autre toile d'avant. Donc, je vais pouvoir la commencer. Et puis, sur ce, ben, je vous rappelle d'aller voir sur les autres chaînes pour voir les vidéos d'unboxing de ce mois-ci. Et puis, notre rendez-vous qui est le 17 mars à 20h sur notre chaîne Twitch pour faire un live pour vous parler de notre avancée sur la toile.
Bon, le chat. Alors sur ce, je vous souhaite à très bientôt et passez une très belle journée. Bye bye!